Tata. Voilà Django. Il y avait trois Mexicains au saloon qui espéraient bien me liquider. Mais pourquoi me racontez-vous ça? Pour vous prévenir, Monsieur Spencer, que votre chargement d'or m'intéresse. Écoutez, avec moi, vous pourriez gagner pas mal d'argent. Pas en travaillant, j'espère. J'ai toujours eu horreur de me fatiguer pour de l'argent. Aujourd'hui, c'est une journée calme. Je ne tue jamais le jeudi. J'en ai fait la promesse. À qui l'avez-vous promis? À ma mère. Sabata, je suis prêt à parier ce qui me reste que tu mourras un jeudi. Voilà un piètre tireur. Allez, laisse-le tranquille, Joe. J'accepte le duel, messieurs. Pendant ce temps, ce brave homme ira commander vos cercueils. Mais pourquoi moi et pas lui? Parce que tu es le plus malin. Il a compris tout de suite que Sabata n'est pas venu ici par hasard. Il a un flair de chien de chasse, il sent l'or à 10 lieues. Ouais, il sera bien embêté pour dégainer. Il est nu comme un ver. Salut. Tu ferais mieux de dire ta prière, parce que j'ai l'impression que ce baquet va te servir de cercueil. Ça m'étonnerait, il est trop petit pour nous deux.